Ok, je pense que rarement dans ma vie j'étais autant excité par un voyage. Autant New York, j'y partais pour y vivre 6 mois et j'avais du mal à réaliser. Autant là. Actuellement, je suis à Paris parce que j'ai dit au revoir à Margot, mon amie de New York, qui part travailler à l'étranger, je vous dis pas où. On y va ? C'est exceptionnel. J'en reviens pas, mon Dieu. Bon, je suis quand même dans un quartier tranquille, là, il n'y a pas grand-chose, il faut que j'aille plus dans le centre. Bienvenue à Tokyo. Je donne un petit boost d'énergie, je passe dans un combini, ils ont l'air d'avoir plein de trucs ouf. C'est tellement étrange de voir en vrai quelque chose qu'on a vu des milliards de fois dans des vidéos. Et vraiment, c'est fascinant. Bon, je vous avoue que je suis pas non plus le plus frais avec ces 18 heures de voyage. C'est très compliqué. C'est la première fois que je pars dans un pays asiatique. C'est la première fois que je suis en Asie. Et en vrai, c'est très compliqué, je trouve, de se repérer dans un pays dans lequel on connaît, pas la culture. Hier, depuis l'aéroport, j'ai galéré. Là, je vais me rapprocher un peu du centre. J'ai besoin d'un peu d'énergie pour ça. Oh waouh, ok. Bon, je me suis pris ce café latte parce qu'il y avait marqué Suntory dessus. Ça me faisait penser à Lost in Translation. Ben, c'est un truc de combini, hein. Je trouve ça délicieux. Je crois que j'ai retrouvé un des grands amours de ma vie aussi. Les gratte-ciels. Bon, c'est mon premier jour ici, là, à Tokyo. Je vous jure, mais ça me... Je sais pas pourquoi. Je suis profondément content et heureux d'être là et j'ai un sourire depuis hier soir. Juste regarder les gratte-ciels, ça me... Ok, je reprends le métro, souhaitez-moi bonne chance parce que ça s'est pas super bien passé la première fois. Alors, il faut savoir un truc ici. Ok, il faut savoir un truc ici, c'est qu'en fait, il faut valider son ticket pour rentrer, mais aussi pour sortir. Et en fait, on paye son ticket par rapport à la distance qu'on franchit. Donc, sur ces petites machines automatiques, on peut remettre en gros le nom de sa station. Et ça, ça nous permet ensuite de payer le bon prix. Mais si jamais vous sortez dans une station après et que du coup, vous n'avez pas payé assez, vous pouvez remettre votre ticket dans une machine et payer la différence. Et là, du coup, pour finir avec le métro, je viens de valider mon ticket. J'avais payé le bon tarif parce que j'avais mis le nom de la station sur la machine. Mon billet est rentré dans la machine et n'est jamais ressorti. Il est absorbé et j'ai pu sortir tranquillement. C'est bien comme système. J'ai vraiment l'air d'un débile à sourire comme un malade pour m'émerveiller sur chaque petit truc par rapport à ce que je disais hier dans ma vidéo. Je sens que ce voyage, il me fait du bien et c'était ce dont j'avais besoin. Ça fait des mois que j'ai pas été heureux comme je le suis là. J'ai l'impression de me redécouvrir. Je reprends goût un peu à la découverte. C'est vraiment genre ce fantasme de la première fois. Je le retrouve comme ce que j'avais pu vivre pour New York ou pour d'autres destinations ou pour d'autres choses. Et ça m'avait manqué, ce sentiment-là. Bon allez, on va manger. J'ai très hâte. On a payé genre 1100 yens pour un ramen, ça fait genre 6 euros. C'est mon premier ramen au Japon. Je vous jure que le bouillon, il a un goût. Waouh. On est vraiment dans un tout petit lieu et c'est marrant parce que c'est très très calme. Pas beaucoup de bruit, j'ose pas beaucoup parler. Mais le bouillon.
Waouh. J'ai pris un mochi à la fraise avec une vraie fraise dedans. Ça s'appelle un daifuku. C'est bon, c'est juteux en fait, du coup c'est pas aussi sec qu'un mochi. Incroyable, ça fait 18h que je suis là, je suis déjà amoureux. Je voulais me prendre un 4h quelque part, ça n'arrivera jamais. On a pris un dorayaki aussi. On l'a pas pris à la pâte de haricots rouges, on l'a pris à la crème. C'est très chaud, hein. Je me suis brûlé. Ouais. J'espère que vous vous souvenez de Margot. Vous l'avez vu dans plein de vidéos à New York. Et aussi, en fait, la dernière fois qu'on s'est vu et la dernière fois qu'elle est apparue sur ma chaîne, c'est le moment où elle partait au Japon. Here we are. Here I am. Bon, et bien écoutez, premières impressions sur Tokyo après quelques heures de balade. En fait, c'est très très agréable. Je trouve que c'est pas si stressant que ce qu'on aurait pu imaginer pour une des plus grandes villes du monde. Les rues sont très très larges. Et bon, les bâtiments ont beau être très hauts, en fait, on se sent pas oppressé. Bon, ça c'est ma vision fantasmée, mais je suis vraiment pas déçu. Et tout est beau, il y a une esthétique très particulière. Mais c'est celle avec laquelle on a été bercé, je pense, par le soft power japonais. Et waouh, je suis vraiment un enfant à m'émerveiller surtout. Mais, et puis les gratte-ciels, mais qu'est-ce que ça m'avait manqué aussi. Bon là il faut un petit peu que je travaille, du coup je vais me poser dans un café histoire d'avoir aussi internet, ça pourrait être pratique. Et Margot m'a parlé d'un immense centre commercial et il y a un rooftop sur le toit et apparemment la vue est très très chouette. Ok, je viens d'arriver, il y a une sorte de jardin, je m'attendais pas du tout à ça. Mais quoi? Mais non, mais j'y crois pas. Ce rooftop, il est à l'image de l'impression que j'ai du Japon là depuis aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus calme que ce que je pensais. Les gens sont très calmes, on va dire. Dans le transport en commun, c'est très flagrant. Là, je suis sur un rooftop, j'ai la vision américaine avec des soirées, beaucoup de monde, tout ça. Et là, il y a juste une forêt, c'est calme. Et on est au sommet d'une tour, au milieu de tous les gratte-ciels. C'est paisible, étonnamment, avec toute cette modernité, tous ces bâtiments. Ça reste étonnamment calme. Je pense que je vais en reparler beaucoup pendant cette série de vidéos, mais Lost in Translation, c'est un film qui m'a profondément marqué et je pense que pour beaucoup de personnes aussi, c'est cette vision-là qu'on attend en tout cas un petit peu de Tokyo au moins. Et en fait, c'est ce côté calme de la ville qui étrangement me surprend et je prends conscience qu'en fait, Lost in Translation, c'est un film très doux, c'est très calme, il se passe pas grand-chose et justement, on montre pas la frénésie de Tokyo et c'est quelque chose qui me marque que maintenant en fait. Et c'est un petit peu à cause de ce côté altérant, mais en même temps de ce calme. Si c'était un environnement très stressant avec beaucoup de stimulation, je pense que ce ne serait pas propice à une introspection, à une réflexion sur soi-même, sur sa vie. Là, je comprends pourquoi Lost in Translation, ça se passe ici. Je le comprends et ça me conforte dans mon choix d'être venu ici pour faire ce que j'ai à faire, pour faire mon deuil, pour faire cette transition-là, pour passer à une nouvelle étape dans ma vie. Ok, bon, j'ai pas mal travaillé, j'avais pas mal à faire aussi. J'ai fini mon mémoire. Ouais, j'espère qu'aucun de mes professeurs ne verra cette vidéo comme quoi. Oh là là, mais regardez-moi ça. Là maintenant il fait nuit et je crois que. Oh là là, c'est incroyable. Je crois que c'est mon moment préféré ici, de voir tous les buildings s'éclairer et aussi les lumières rouges. Je sais pas, c'est ma vision de Tokyo. Oh là là, mais c'est incroyable. Ah, j'ai hâte de sortir. Oh,
c'est assez fou parce que j'ai l'impression que la ville se métamorphose un petit peu la nuit, c'est pas du tout le même mood. La journée, il y a quand même il y a beaucoup de lumière, il y a l'ombre des bâtiments, et en fait, la nuit, c'est presque comme s'il n'y avait plus d'ombre dans un sens, parce qu'il y a tellement d'éclairage, tellement de bâtiments allumés. Normalement, je tourne peu la nuit parce que ma caméra ne peut pas. Là, c'est juste parfait. Et je trouve qu'avec les illuminations des bâtiments, c'est incroyable. Bon là, je suis un petit peu dans les grands quartiers de la ville. Je pense que je n'ai jamais vu des passages piétons aussi grands. Et encore, je ne suis pas allé à Shibuya, je pense que ce sera un moment marquant. Écoutez, je suis in love, Oh là là, si j'avais su que c'était à ce point. Bon, je suis claqué, mais je retrouve Margot, on va boire un verre et ensuite, on va faire un karaoké. J'adore cette vie, j'adore. J'en profite parce que je crois que j'en ai jamais fait mention auparavant, du coup, puisque c'est la deuxième vidéo qui sort depuis à peu près mon retour. En fait, on a dépassé les 5000 abonnés sur cette chaîne. Bon, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est énorme. Je pense qu'on peut être content de ce qu'on a fait, parce que il s'est passé des trucs quand même pendant ces dernières années. Bon, je sais pas si je vais faire quelque chose, mais c'est surtout pour les 10 000 abonnés. Je suis prêt à faire un truc très gros, je suis prêt à mettre de l'argent dedans. Si on y arrive, mais je crois en vous. Abonnez-vous d'ailleurs, laissez un like, laissez un commentaire, partagez cette vidéo si elle vous a plu, c'est ce qui m'aide le plus. Et mettez-moi en commentaire des idées de ce qu'on pourrait faire pour les 10 000 abonnés. J'ai réfléchi de mon côté, c'est moi qui décide dans tous les cas. Bon, je viens de retrouver Margot, elle me fait rentrer dans là où elle travaille. Waouh, c'est là où elle travaille, c'est gigantesque. Non mais c'est surtout que le métro est dans le bâtiment. Mais vraiment Margot, le métro est là. J'adore ce métro. Bon là on vient d'arriver à Shinjuku, apparemment c'est un quartier très sympa pour sortir le soir. Et c'est accessoirement la plus grande gare du monde. Ok, là on est dans un yokocho, c'est genre ces petites rues très étroites où il y a des restaurants de tous les côtés. Juste les odeurs, c'est exceptionnel. Choqué de tout ce qu'il y a à Shinjuku. Je pense qu'on pourrait le décrire comme Times Square sous crack, à peu près. Non mais je passerai ma vie à rentrer à 3h du matin juste pour faire des trucs. Il faut qu'on chante. Super bien, toi. Mais non, je chante très mal. Hein. Tu m'as jamais entendu chanter. Si, on met un karaoké à Koreatown. Oui, mais je sais, mais je chante très mal. Je pense que tu l'avais trop vu. Hein. Mais moi, tu m'entends. Si on chante, il faut que je boive. Je sais pas chanter, moi. Apparemment, il y a cette boisson qui s'appelle le Song Zero. C'est le truc pour se bourrer la gueule. Apparemment, les gens font des blackouts. J'en aurais besoin pour ce karaoké, mais c'est du 9 degrés. Je ne sens pas l'alcool. À faire en rentrant dans un karaoké, c'est passer dans un combini et acheter du poulet frit, je pense. Bah, ce serait bon. J'ai l'impression que ça a plus de goût qu'un KFC. C'était Family Mart. Family Chiki, c'est validé. Bon, ma meilleure première journée ever à Tokyo, je pense.